Tout autre chose maintenant, quand la file unique, bien connue pour l'enregistrement dans les aéroports, s'exporte dans les supermarchés, cela donne un test mené à grande échelle pour une grande enseigne. Le principe est fluide, plus besoin de repérer la caisse la plus rapide, les clients attendent patiemment d'être dispatchés. Objectif, bien sûr, gagner du temps, arrêter de râler et faire remplir encore un peu plus le panier moyen. Reportage Marc Fontanelle, Lise Brunelli et Véronique Roy. Un tracé au sol et un long ruban bleu pour délimiter la file d'attente unique. Au bout de cette file, une hôtesse, elle vous donne le numéro de la caisse disponible. La caisse numéro 9 pour vous, s'il vous plaît. Cette file d'attente unique dessert pas moins de 10 caisses. Un dispositif testé depuis cet été dans cet hypermarché, à côté des files d'attente traditionnelles. Objectif, diminuer le temps d'attente aux caisses. Les clients les plus pressés sont séduits. Ça va quand même plus vite, oui. C'est très bien, moi je trouve ça très bien. Ça se passe pas trop mal hein, pour le moment, on n'a pas à se plaindre. Ça fait quoi? On est arrivé, on a attendu 2 minutes. Entre 2 à 3 minutes d'attente en moyenne avec la file unique, contre 7 à 10 minutes pour la file d'attente traditionnelle. Pour l'un des responsables de cette grande enseigne, ce nouveau dispositif permettra aussi aux clients d'éviter les mauvaises surprises. Lorsque vous êtes en caisse traditionnelle et que vous avez une assistante de caisse qui a un souci avec sa caisse, tombe en panne, vous vous dites, mince, j'ai choisi la mauvaise caisse. Or, avec ce système de file unique, l'assistante de caisse, directement, s'enlève du système et donc cette caisse n'est plus appelée, le client va directement où il y a des caisses qui sont libres.